Salut les geeks, nouvelle vidéo aujourd'hui d'unboxing. Donc ça va être un casque. On va l'ouvrir tout de suite. Pas plus tarder parce que le packaging, hein, vous pouvez voir, c'est une boîte. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est pas la boîte de transport, c'est la boîte du produit. Rien dedans. Donc la marque, produit assez lourd, c'est la marque Kinden. Donc produit emballé dans un pochon, un simple, mais qui est pratique pour le transport. On va l'ouvrir. Rien d'autre dans le pochon. Hop. Alors, la notice. Un câble jack justement avec les trois bandes pour sortie micro et audio. Et alors je vais essayer quoi d'autre, et le casque. Donc une autre notice, d'ailleurs on va regarder vite fait les notices, sont quelle langue. Alors celle-là doit être de l'allemand, non de l'anglais, non ça doit être de l'allemand. On va voir l'autre papier qu'il y avait, si on a le droit à un peu de français. User manual, non, cette fois est en anglais. Donc on a anglais ou allemand. Bon après, c'est un casque simple. Hein. Donc, casque quand même assez gros, assez imposant, lourd aussi, mais qui a l'air d'être très très confortable. Bon, on va faire un tour du produit. Donc, regardez sur le côté cet effet là, moi ça fait très à dire gamer, c'est pas le casque passe-partout. Hein, donc on est sur les mains métalliques, armature métallique aussi ici. Là, pour adapter à votre tête, donc on fait le tour. Là on est sur des quand même des gros coussinets. Donc on est vraiment sur des éléments qui vont être très confortables. Il y a marqué 3D parce que justement, normalement il y a un son spatial dedans. Donc on doit être sur du 5.1. D'ailleurs, je vais regarder voir s'il le précise, ou si c'est en anglais, s'il précise dedans. Donc là, c'est le produit. Donc la description, Donc on peut brancher USB ou jack. Élément de volume. Donc il parle bien de l'effet quadraphonique 3D sub-surround effects. Donc là, il a l'air d'avoir un effet selon, en tout cas une bonne qualité de son, donc de toute façon on va le tester, on va le voir. Et voilà. Après là, donc vous l'avez vu, il y a un micro. Donc, qui n'est pas rétractable, mais qu'on peut en tout cas diriger. Donc là, on voit hop, le nom. Alors, je ne sais pas si on va faire, le focus va bien se faire. Oui. Donc, il y a marqué TQ. Chaîne, alors sachant que c'était pas le même nom que là, la marque c'est Kinden. Bon, c'est peut-être le nom du casque, il faudra que je vérifie ça. Alors, on se retrouve donc maintenant sur mon ordinateur, parce que justement, comme je vous ai montré au niveau des connectiques, on est sur Focus, on est sur soit USB, soit des jacks. Donc là, je le branche, on voit. Focus se fait, voilà, donc la diode s'est allumée et le casque aussi s'est allumé. Justement, je vous l'avais pas dit, il s'allume totalement. Donc maintenant je vais essayer de mettre un peu de son. Déjà on va voir s'il est reconnu sur mon Mac. Hop. On va tester. Ouais, je mets le casque et je vais vous dire tout de suite. Alors déjà c'est assez agréable, même si l'armature est, je trouve un peu étrange, mais en tout cas c'est quand même assez agréable. Donc je vais mettre un peu de son, n'importe quoi. Donc là,
Pour l'instant, ça sort pas du casque. Donc, peut-être qu'il est pas reconnu. Alors, donc après quelques tests, donc je me suis rendu compte en fait qu'il fallait le brancher avec le câble justement jack sur mon ordinateur, parce que bizarrement, donc sur le Mac, dès que je branche en USB, ça fonctionne pas. Alors, c'est peut-être plus sur PC, mais en tout cas, ça fonctionne pas. Donc là, on recommence le test. Alors on est sur un bon son, très puissant, qui ne sature pas. Je vais tester un peu tout, je vais mettre en aléatoire. Hop. Alors l'idée c'est de tester un peu tout. Alors, vraiment le son est, je vais essayer, est vraiment bon. Hein. Il est puissant comme il faut, avec un bon effet. Donc, plutôt agréablement surpris. Après, bon, c'est vraiment pas un casque que vous allez essayer de trimballer avec vous. Hein. On est sur un casque pour écouter du son chez soi. Très pratique, enfin, très agréable ici au niveau du pour le serrage des têtes là. Ce qu'on n'a pas vu ici. On a gestion du volume ici, et là justement de cet effet 3D surround ici, on a la molette ici. Et après donc on a le micro ici. En tout cas agréable. Je trouve juste que il est un peu trop flexible, donc qui sert pas forcément assez la tête au niveau quand on pose sur les oreilles. Mais peut-être parce que j'ai l'habitude d'autres casques justement qui sont un peu plus compacts et donc qui sont un peu plus serrés. Mais en tout cas, on est quand même sur une bonne qualité de produit, bon matériau, quand même plutôt bon. Hein, ça a l'air, ici, ça a l'air du cuir, en tout cas du simili. Là, on est sur des effets métalliques, on est sur du métal, pas du plastique. Donc, plutôt agréablement surpris, on va dire, en tout cas, par ce casque-là. Je vous mettrai le lien en description. En plus, il y a cet effet lumineux, on va dire, qui est plutôt sympa, même si ça apporte rien. Et on va dire que pour certains ça peut être gênant s'ils écoutent de la musique dans la nuit, parce que bon, on va se retrouver avec la lumière, hein. Mais a priori on peut pas le désactiver, en tout cas j'ai pas vu de bouton on off, mais en tout cas voilà, très bon casque, vraiment vraiment sympa. Donc voilà pour ce petit test, j'espère que cette review de nouveaux produits vous a plu. Si vous connaissez ce casque, n'hésitez pas justement à dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est toujours intéressant. Et puis bien évidemment, en tout cas on est sur un casque pas haut de gamme, et donc il faut pas s'attendre à des qualités équivalentes à des Bose, Sony, Sennheiser ou autre, hein. C'est pas du tout comparable, mais en tout cas on est sur un bon casque pour écouter de la musique chez soi, ou pour être sur ordinateur si vous faites justement du gaming, etc. Vous avez le micro, donc j'ai pas testé la qualité micro, mais ça peut être quelque chose de classique. Il faudra que je fasse un test notamment, mais en tout cas on doit être sur quelque chose d'assez classique. En tout cas, bon produit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire justement pour partager vos expériences sur les casques, ou dites-nous justement quel est votre casque préféré et le casque que vous utilisez au quotidien. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks.